Salut, station fréquence, les bonnes sur 13 à côté à vous tous de la part de Dindy 33. Et c'est parti pour le QSO national section sud-ouest. Donc il est 21h et on est le 11 novembre 2017. Ah ben ce faux départ d'un seul coup là. Roméo Foxtrot Roméo 138. Roméo Foxtrot 138, seulement c'est dommage qu'on puisse entendre là depuis le sud-ouest. Et Michel qui arrive comme un boulet de canon là dans le QSO. Bon, on démarre juste, hein, t'es le deuxième. Attention, section 33, est-ce que tu es des nôtres ce soir? De Toulouse. Attention Eric, 14 Victor Eco 27. Bon, attention Xav. Attention, Doudou 33, normalement tu devrais être là ce soir. À quelle heure, je sais pas. Et ce petit blanc, Toulouse va essayer de t'appeler, Rémi. Ok, la porte est grande ouverte. Est-ce que j'ai entendu quelque chose? Ok, donc si j'ai bien compris, le blanc et la vire au rouge. Eh bien oui, tu sais, pour mettre le fil bleu avec le fil bleu, le fil rouge avec le fil rouge. Eh bien des fois, il y en a un qui s'arrache. Ah, je suis trois coups.
exploitation des stations fréquences là, pour le QSO national section sud-ouest. En avant. Dundee 33, 14 Delta Romeo 33, QTH Sainte-Colombe, entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille, c'est-à-dire 50 km à l'est de Bordeaux, limite Dordogne. Attends, j'ai eu un effet d'écho avec le casque, j'ai pas compris là du coup. Je te disais sur le département 38, ils sont au bord de la neige. Ah oui Marc, ouais, j'ai vu ça à la télé, il y a pas mal d'endroits là du côté des montagnes, tout ça. Je sais plus, j'ai zappé la piste. Il y a même une piste de ski là qui a été ouverte. Oui, le break, les modes 73, Eric. Oui, 73, Rémi, 14, Victor Hugo 27, l'opérateur Eric. Puis salut aux autres stations et tous les WL. Je ne sais pas qui est avec toi. 73 à tout le monde. Les 73 retournés, retour de micro sur Michel. Salut Eric, des amis à toi et à toute ta famille. Et à tous les amis suivant le système que tu connais qui vous écoutent. Ok, mais 73 Michel, j'espère que tu vas bien. Et puis 73 à tous les écouteurs. À côté écouteur, il y a du monde. Hein. Parce que là, Ah, j'entends quelqu'un dans le casque. Et on a la station. En avant les stations, allez-y. Bon, ça c'est doudou, non? Ok, doudou, 73, écoute, j'espère que tu vas bien. Ok, allez, retour, Rémi. Ok, je suppose qu'il doit être chez lui. Mais là, ce soir, ça passe pas. Là, je même dans sur le WebSDR, là, avec le casque sur les oreilles, je l'entends à peine. Hein. Pourtant, là, je me suis enfoncé un peu le casque dans les oreilles pour essayer de mieux le sortir. Mais c'est pas top, là, c'est pas ça. Hein. Les 73 de nous, en espérant que tu vas bien. Doudou, est-ce que tu entends arriver? Je l'entends plus, hein. T'es toujours là, Doudou? C'est vraiment petit, je t'entends, mais alors c'est dur du rang, je sais pas si Michel t'entend, et Rémi t'entend pas, pardon.
Alors, les coussins qu'on voit là, c'est pour isoler du bruit du ventilateur. Système D, système D. Du Jura, Philippe, 14, Echo Delta, 040. Alors, voilà mon pense bête. On a les 73 aussi, de 16, 0 November, 015, Cédric, la Belgique. On a aussi les 73-51, des membres du forum, Blue Forum. Voilà, bon, j'ai une petite news à dire tout à l'heure. Entre parenthèses, les 73 de jeunes 05, voilà. Retour de micro pour voir si ça débrouille. Je vous donne l'info en entier. Le 14 novembre,
ce sera l'anniversaire de Blue Forum, c'est-à-dire Forum Bleu. Alors ils fêtent les 10 ans d'existence. Alors c'est rare un forum radio qui a 10 ans d'existence. Et c'est vrai que là, chapeau bas. Et surtout quand je vois l'activité de leur forum, eh bien ça tourne. Hein. Ça brasse du monde, ça tourne vraiment. C'est vraiment un bon forum là, qui fonctionne vraiment bien. Donc bon anniversaire à Blue Forum, là pour un petit peu avant l'heure, puisque c'est le 14 novembre. Voilà. Autre news. Celui-ci concerne ce QSO. Alors bon, le QSO a commencé là au départ par Patrick là, de la Camargue. Voilà, donc c'est lui qui est à l'origine du lancement de ce QSO. Puis après, bon, il a suivi son petit bonhomme de chemin, le Sud-Ouest, le Centre-France, quelques autres coins aussi. Voilà. Et la Belgique nous a observé là, de ce côté-là. Ils aimeraient bien en faire partie aussi. On a la Suisse qui est tous les week-ends en écoute dessus, qui aimerait bien aussi lancer le QSO là, de leur côté. Il y a quelques temps de ça, l'Allemagne a même fait sur un de leurs sites, de leur site internet, je vais y arriver, un article concernant justement le QSO du canal 27. Dernièrement, là, on a l'Angleterre qui est aussi intéressée là, pour le QSO du canal 27. D'ailleurs, de leur côté, ils ont mis une fréquence en place, on va dire, là, pour le QSO. Et là, récemment, j'ai un OM là, de l'Italie, là, qui justement, là, de ce côté-là aussi, les OM aimeraient bien rejoindre le QSO du canal 27. Donc tu vois, le QSO national, MC4 va falloir le rebaptiser pour le nommer le QSO européen, quoi, HI. Eh bien, impeccable, hein, tu vois. Ah, il n'y a pas de problème, hein. Ouais, voilà, bon, ben là j'ai tout dit. Ah. Moi non plus, mais il y en a d'autres, ils auront des problèmes, peut-être. Excuse-moi Michel, heureusement que j'ai le retour dans le casque, je me suis rendu compte que j'étais en train de te surmoduler. Ah, c'est pas bien de monter sur le papy. Oui, je disais, mais avec ces pays-là, vaut bien avoir des antennes horizontales en fin directive, parce que sinon, avec le cercle vertical, vous allez avoir du travail, mes amis, parce que moi, Michel de Toulouse, je l'entends en horizontal. Par contre, en vertical, vous êtes en vertical, moi je suis mis aussi. Il passe, moi je l'entends, mais tout le dit. Eh oui, de toute façon, on jouera avec la propague quand elle sera là, et puis comme à chaque fois, on improvisera, et puis voilà, quoi. Alors justement, Michel, là tu m'as dit un truc là tout à l'heure. Oui, voilà, c'est de la part de 14 Mac Sierra 033 ou Mac Sierra Oscar 33. Je me mélange encore un peu là dans les deux là. Est-ce que c'est un 0 ou un O? Je sais plus, je sais pas. Alors ouais, j'ai vu le message à 13h12. Il y a eu la division 44 Afrique du Sud qui passait, hein, Michel. Je l'ai vu moi aussi sur le chat, mais moi par contre qui était à la radio, sur le canal d'appel 555, même les copains, personne n'a rien entendu. Alors la propagation de ce pays là, du 44 a été dans quelle direction? Ça je l'ignore. Oui, mais bon, tu sais, hein, à chaque fois avec les couloirs de propagation et tout,
Comme des fois, moi j'entends des trucs là sur le web SDR que j'ai pas chez moi et puis vice versa. Hein. Regarde, tu as un petit mot sur le chat. Ok, je regarde. Pour info, tapez sur Twitter. Ok, d'accord. Les 73 renouvelés, le Jura. Ok, retour sur Eric. Ok, ouais, pas de soucis. Merci pour le retour de micro. Mais sinon, ben, ok, les news, j'ai vu, oui, j'ai entendu ce que tu as dit. Sinon, rien dans le particulier pour ma part. La nouveauté, j'ai zappé un petit peu sur Facebook et tout ça. Ouais. J'ai vu que tu avais mis pas mal de choses, j'aurais mis aussi. Donc voilà, c'était un petit tour. Hein. Voilà, retour Rémi. Ouais, justement, tu parles de ça. T'as vu le mille-pattes avec toutes ces antennes, dont la filaire, l'antenne filaire qu'il a installée là sur la tout autour de la cabine, c'est hallucinant. Hein. Ouais, j'ai vu que t'as mis pas mal de. Il y a tellement de choses que je me rappelle pas du tout, mais t'en mets tellement. Faut suivre. Oui, Michel. Attends, j'ai de l'écho entre les deux oreilles. Tu me dis, tu as... C'est pour étendre son linge en roulant, il sèche. Ah, j'avais pas tout compris. Hachis trois coups. Ouais, je voulais dire que c'était un fil à linge. Ouais, non mais putain, j'ai halluciné quand j'ai vu ça, quoi. Ils sont tous, ils sont partis en week-end ou quoi. C'est le repos là. Ok, pas de soucis. Bon, et toi Rémi, t'as pas été défilé là? Putain non, j'ai débauché ce matin déjà à 7h. Toi là j'en ai... Non, c'est vrai que je suis pas très tout ça quoi. Ouais, c'est le manque de motivation ou pris par les cours radio amateur? Oh non, parce que je peux te dire que là, pour le moment, j'ai pas trop de promos. J'ai pas mal d'autres choses plus importantes. Ouais. Ouais, bon, j'ai compris. Du côté familial, on n'en parlera pas plus. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a qui se sont lancés dans des bidouilles là, dernièrement là? Michel ensemble. Ouais, désolé. Vas-y Michel. Oui, je demandais à Dodo s'il était monté sur le tabouret parce qu'il est passé plus fort que d'habitude. Doudou, est-ce que tu as frotté l'antenne au miroir? Parce que ça passait mieux, il vient de le dire Michel.
Putain, j'ai un QRM sur le web SDR, j'ai un QRM de 4-5 au QRA, au secours. Hein. Ouais, ouais, ben voilà, c'est vrai que moi c'est pareil là, de mon côté au QRA, hein, c'est pas le même crépitement, non. Mais bon, j'ai quand même un QRM constant là de 4. Dis donc, qu'est-ce qu'il a branché là? Il a branché quoi? La machine à laver ou quoi? Ah, je crois que c'est plutôt la machine à laver du voisin qu'il va falloir qu'il débranche. Ce soir, hein. Ouais, c'est vrai que ça a l'air d'être calme. Ah, c'est qui, c'est Antonio? C'est comme le week-end dernier. Attends, j'ai entendu quelqu'un. Vous voyez la station en avant avec les bonnes 73? Ça crépite de tous les côtés, je sais même pas si quelqu'un a repris le micro. Hein. C'est un bordel sur le WebSDR, c'est impressionnant quoi. Ça casse les oreilles, donc j'ai écouté le poste directement, c'est un tabouille. Hein. Tu m'étonnes. Oui Doudou, là t'es passé ce coup-ci. C'était une porte, vas-y.